we gonna be a man? How we gonna be African Americans? Hey, we out here today. We thug and we niggas until we set this shit right. Trust me when I tell you that shit. Young black males out there identify with thug life. But I couldn't handle it. I could handle it, but not the right way. Sois fier des origines. Quand on t'appelle nègre, on demande pas le régime de tes pulsations cardiaques. Sans savoir, ce mot aurait été une voiture. T'aurais dit qu'elle a été cardiaque. Je me réapproprie le sens des mots. X, à l'idée de se faire, il faut que le poids de ce que nègre véhicule est faux. X, comme alcool, j'ai la liste, tout ce qui fait mal comme la déformation professionnelle. Sache qu'ils ont des formations obsessionnelles. Négro, nègre, du latin hier, emprunté à l'Égypte, vient de Nedguerre. Les indieux, le sacré, la nature, les terres, Négachi, négos en Éthiopie, Nedzer en hébreu pour la racine, l'original. Ceci n'est guère un message subliminal. Tout ce que je dis est véridique sur ta quête. Comme les nécromanciens d'origine, tu trouveras l'unique, l'origine de ton mal. C'est pour ma nigga, nigga, Nether, Nether, on dit nigga, nigga. Sois fier, c'est pour ma nigga, nigga, Nether, Nether, on dit nigga, nigga. Sois fier, c'est pour ma nigga, nigga, Nether, Nether, on dit nigga, nigga. Sois fier, on dit nigga, nigga, Nether, Nether, nigga, nigga. Sois fier, je pourrais presque me réjouir de ton ignorance. Toi qui viens m'insulter avec tant d'assurance, en réalité, tu me mets sur un piédestal. Pense pas gagner du temps, non, je fais pas d'escale. Allez direct, droit au but. Ce qui sort de ta bouche sans le rance, ta bêtise te culbute. Tout ce que je trouve au fond de ton regard exprime l'errance. Au juste, un manque de tolérance. Tu te présentes des doléances à l'aise comme dans ton condo. C'est en se tenant entre nous, c'est plus des condos. Bécane FR1, soyez les bienvenus sur le plateau du père Hank M. Teucci dans la radio Couche Kamite Congo. Ou plutôt Maître Etnefer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une émission du nom George Floyd. George Floyd est mort le 25 mai 2020. C'est un Africain-Américain qui est mort dans le quartier Powder Hall, qui est dans la basse cité de Minneapolis, à Minnesota, dans les États-Unis. La mort de George Floyd a jeté la communauté noire dans un grand étourdissement. Des événements comme la mort de George Floyd ne sont pas nouveaux. Il a été manité avec les mains au dos et mis par terre durant une opération, une arrestation. Les policiers de Minneapolis, un homme blanc, un policier blanc, a mis son genou droit sur le cou de George Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes. Pendant 8 minutes et 46 secondes. Et il est mort. Mais les policiers blancs, qui sûrement fera partie du Ku Klux Klan, n'étaient pas tout seuls. Il avait deux autres officiers à côté de lui. L'officier blanc s'appelle Chauvin. Les deux autres officiers s'appellent Tu Tao, Jean-Alexandre Quang et Thomas Lane. Pendant que George Floyd était en train de demander qu'on puisse enlever les coups sur son cou parce qu'il ne pouvait pas relire et respirer, eh bien, ça a été ignoré. C'est affreux. C'est vraiment affreux de suivre cela
Parce qu'on a les émissions, on a les vidéos sur YouTube dans Swift, comment il est en train de demander qu'il n'est pas en mesure de respirer. L'arrestation a été faite qu'après que George Floyd avait été accusé d'avoir contrefait une billet de $20. C'est-à-dire, il a été tué pour avoir été accusé d'avoir probablement contrefait un billet de $20. Les vidéos, disons, les télécaméras aux côtés, il y avait une caméra de sûrement de sécurité, n'ont pas démontré Floyd en train de résister à l'arrestation. Pendant que les policiers, ces policiers-là, dans leur rapport, ils ont écrit que George Floyd a résisté à l'arrestation et qui s'est laissé tomber intentionnellement par terre en disant qu'il n'allait pas rentrer dans la voiture. Mais à la preuve de la caméra, c'est faux. Il n'a jamais résisté à l'arrestation. Et il y avait plusieurs personnes à côté qui étaient en train d'enregistrer l'événement avec leur smartphone, où on entend George Floyd répétitivement répéter, s'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Il crie, maman, maman, ne me tuez pas. Il a répété plusieurs fois, s'il vous plaît, please, please, I can't breathe. S'il vous plaît, je n'arrive pas à respirer. Il a pleuré, il a crié sa maman, maman, maman. Donc, il ne me tuait pas. Mais cela n'a pas été assez. Il a été tué. L'FBI dit avoir les bureaux de droit civil de l'investigation américain a mis au point un rapport et les policiers disent avoir été chargés ou incriminés pour meurtre de second degré. Troisième degré, second degré. Mais nous savons comment ce genre d'histoire finissent. Nous savons ce genre de parades, de comédies. Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mais nous devons être aujourd'hui réunis ensemble pour que ce genre d'événements n'arrive plus encore. Le peuple noir a trop souffert. Les souffrances noires des États-Unis ne sont pas d'hier. George Floyd n'est pas le premier et n'est pas l'unique. Les noirs, tuer un noir aux États-Unis pour un policier, c'est comme un divertissement. Cela n'a aucune importance. Cela ne comporte pas de conséquences. Et ceci, ce n'est pas moi qui est en train de le dire. C'est l'histoire qui est en train de le dire. L'histoire que nous lisons à travers Marcus Garvey. L'histoire que nous avons vue à travers Dr. King Jr. L'histoire que nous avons vue avec Malcolm X.
bien, cette histoire continue de se répéter. Dr. King est mort en 1968. Et nous sommes en 2020. Après que Dr. King a conduit pendant plus de 3 décennies des revendications pacifiques, où pendant ces gens, pendant ces temps, pendant ces revendications, ces marches, les Noirs ont été brutalisés. Il y a des vidéos qui font voir comment des enfants noirs à genoux en train de prier, eh bien, ont libéré les chiens pour les attaquer. On les attaquait aussi avec l'eau pompée avec les grosses pompes des pompiers. On voyait comment certains enfants, les têtes étaient fracassées contre les murs. Et les arbres morts. Il y a une chanson qui avait été chantée dans l'état de Alabama. Et les étudiants à Chicago chantaient dans les années 40. Et la chanson dit ceci: I wish I were an Alabama trooper. That is what I really want to be. Because if I were an Alabama trooper, I would kill a nigger legally. Je vais répéter. I wish I were an Alabama trooper. That is what I really want to be. Because if I were an Alabama trooper, I would kill a nigger legally. Je vais traduire cela en français. Mot par mot. Je désire être un policier quand des Alabama. C'est ce que je désire réellement être. Parce que si je suis un policier en Alabama, je peux tuer légalement un nègre. Cette chanson a été chantée en 1848. Et nous sommes en 2010. Et entre 1848 et 2020, nous sommes en 2020, la chanson, je peux la résumer de cette manière. Je vais changer. Je vais remplacer les mots Alabama en American et trooper en policeman. Et I will say, je vais dire, I wish I were an American policeman. That is what I really want to be. Because if I were an American policeman, I would kill a nigger legally. Je traduis en français. Les chansons chantées dans les chantées des années 40, sur lesquelles j'ai remplacé certaines notes, dit ceci maintenant. Je désire être un policier américain. C'est ce que je vais vraiment être. Parce que si je suis un policier américain, je peux tuer légalement un noir. Comme aime bien dire un nègre. De cette chanson à l'autre, des millions des Noirs sont morts. Et ça n'a jamais intéressé personne. Ce qui s'est passé avec notre frère George Floyd est un appel. Et cet appel est remis sur la voie, la mission de Marcus Garvey. Souvenez-vous, nous sommes dans l'année de Marcus Garvey et la prophétie doit se réaliser.
Marcus Garvey n'est jamais parti parce que Marcus Garvey avait dit qu'il doit mettre pied dans l'Afrique. Et par Marcus Garvey mettre pied en Afrique signifie que les Africains doivent rentrer. C'est vrai que les États-Unis, c'est la terre de nos ancêtres. C'est nos ancêtres qui ont construit les États-Unis. Mais de la manière dont elle est aujourd'hui, de la manière où elle est organisée aujourd'hui, comme l'avait soutenu Marcus Garvey, et comme justement l'avait encore soutenu Malcolm X, nous ne pouvons jamais y vivre tranquillement. On ne peut pas forcer un mariage pour lequel il n'y a pas respect. Quand on regarde tous ces événements, je vais reprendre ici le prophète George Baba John Smoyle, que je salue en passant. Papa John Smoyle dit, quand il regarde tout ça, il se pose la question, comment ces gens-là nous voient? Comment nous perçoivent-ils? Sinon pas comme des êtres humains. Il y a une chanson dans les temps qui a été chantée à Lingala qui posait la question, Mundela Utawapi, l'homme blanc, l'homme Mutomoïna Utawapi, c'est ce qui veut dire l'homme noir est venu d'où, parce qu'apparemment les saints sont blancs, Jésus est blanc, tout est blanc. Je vais renverser cette question parce que l'histoire du monde nous fait voir que nous avons toujours été ici. Toutes les antiques civilisations, eh bien, étaient noires. Donc, on ne peut pas poser la question, ou je dirais, on ne peut plus aujourd'hui, à toute âme et conscience, poser la question, l'homme noir vient d'où? Mais l'histoire nous apprend, à un moment donné, il y a 20 000 ans, l'homme de Néandertal est à Paris. Il est venu d'où? La question qu'il faut se poser, c'est que la question qu'il faut poser à l'homme blanc, il est venu d'où? Nous avions des marionnettes télécommandées par des forces diaboliques comme Trump, qui voilà qui renforce, qui dit que apporter l'armée pour tuer encore les Noirs qui sont en train de se défendre. Eh bien, ceci est une invitation à la réflexion à tous les Africains qui vivent partout dans le monde. Parce que la situation en Afrique n'est pas très claire. Nous sommes bafoués, torturés, malmenés même chez nous-mêmes. Il est temps que le pouvoir en Afrique rentre entre les mains des Africains et que la mort de George Floyd soit un point qui entraîne non seulement les demandes à la justice, mais que cette peine nous porte à nous poser des questions sur notre futur. Que cette peine nous force à considérer commencer à reconstruire chez nous pour ne pas toujours finir brutalisé et malmené chez les autres. George Floyd, notre frère, n'est pas le dernier, n'a pas été le premier à cibler cet assassinat. Ce n'est pas les simples policiers, ce n'est pas les policiers qui ont assassiné George Floyd, c'est les États-Unis d'Amérique qui a assassiné George Floyd. Combien de nos frères et sœurs, les États-Unis, les gouvernements des États-Unis d'Amérique a-t-il assassiné? Parce que toutes les personnes qui ont assassiné les Noirs, eh bien, n'ont jamais été punis pour cela parce qu'ils sont des policiers. Comme je disais, quand on les rêve à Alabama, des enfants blancs à l'époque, c'était de devenir un policier d'Alabama, juste. L'on voulait devenir un policier à l'Alabama juste pour pouvoir tuer légalement un noir. Nous sommes en train de parler d'un pays où, dans le cours du tribunal,
à l'époque de Michael Douglas, pardon, à l'époque de Frederick Douglas, pas Michael, mais Frederick Douglas, l'on vient défendre les lynchages comme une culture. Il serait injuste de rendre illégal les lynchages des Noirs parce que autrement les Noirs ne sauraient plus quoi faire. Ils s'ennuieraient. Où on a nié la souffrance des esclaves noirs sous le prétexte que l'esclavagiste blanc, pour l'avoir acheté, a dépensé de l'argent. Et comme il aime son argent, cela signifie qu'il aime aussi l'esclave. Le maltraitement, la souffrance, l'exploitation. Parce que souvenez-vous, l'esclavagisme, ou pardon, le racisme, ce n'est pas les attitudes pathétiques que l'on démontre sur le cours de la rime, mais c'est une organisation bien structurée, dynamique, dont le but est celui de priver un peuple de sa dignité, de ses ressources, et de les contraindre à la pauvreté à travers les injustices judiciaires et sur le plan de la justice. À les contraindre au confinement social pour l'étouffer dans la pauvreté. Les contraindre à vivre comme un animal pour ensuite l'accuser d'être un animal. Nos frères aux États-Unis vivent dans la pauvreté. Ne pensez pas que les États-Unis, parce qu'on dit les États-Unis, nos frères vivent dans la pauvreté. Ils ont été dans la pauvreté pendant très longtemps. Vous vous souvenez encore à l'époque de Rosa Parks? Où les Noirs étaient contraints à s'asseoir derrière, dans le bus. Le bus avait des portes. On rentrait avant, on paye et puis on descend pour rentrer dehors. Et bien des fois, qu'est-ce que faisaient les chauffeurs de bus? Dès que les Noirs rentraient pour payer, quand ils descendaient pour rentrer, et puis les bus partaient. Et qui payait pour sa personne? Et quand les Noirs en ont eu marre de cette injustice, ils ont boycotté avec les manifestations pacifiques de Dr. King Jr. Ils ont dit, ok, voilà, on ne va plus prendre vos bus, prenez-les vous-même. C'était un problème, parce qu'il faut comprendre que le racisme est une philosophie économique. Le racisme dépend sur le fait de presser les Noirs comme un citron, les faire sortir de tout son jus, de toute sa jus. Le racisme, ce n'est pas retrancher les Noirs, les mettre à côté. Non, le racisme et le capitalisme appliqué aux Noirs. On parle du capitalisme quand elle est appliquée aux Blancs. Quand on est appliqué aux Noirs, c'est l'esclavagisme, c'est le racisme. Le racisme n'est pas les Noirs. Le racisme veut utiliser les Noirs, prendre tout de lui. C'est ainsi que quand le docteur King Jr. organise des boycottages des systèmes de transport de Maryland à l'époque de Rosa Parks, eh bien, les Blancs, il n'est pas content. Parce que ce n'est pas qu'il hait les Noirs. Il veut l'utiliser et la discrimination est faite pour lui enlever son humanité, pour les rendre un objet d'utilisation à destination économique. Et donc, quand les Noirs refusent de prendre les bus, eh bien, les violences commencent. Les tueries commencent. Il faut prendre les bus. Il faut apporter ton argent chez les Blancs. C'est ça, le système. Et nous devons dire non. Nous ne pouvons pas continuer à subventionner le même système qui nous tue. Et la seule manière de le faire, il faut rentrer en Afrique. Marcus Garvey avait raison. La séparation est nécessaire. Il faut rentrer en Afrique. Et c'est ça qui terrorise le monde occidental. Ne pensez pas qu'ils sont là, ils disent, non, non, rentrer en Afrique. Non, parce que leur existence dépend de la nôtre. Leur économie, leur belle maison, leur grande villa dépend de nous. C'est nous qu'ils utilisent pour avoir tout ça. Et si nous partons, bye bye, tout ça c'est fini. Les jours où les Noirs
décide de rentrer en Afrique, l'Occident tombe en même temps. Le même jour, il tombe. Si nous décidons de rentrer chez nous, vous allez voir, c'est pourquoi ils manipulent. C'est pourquoi ils tiennent le système politique et gouvernemental africain pour empêcher cela. Mais les peuples doivent se rébeller. Les peuples en Amérique, les peuples noirs en Amérique doivent penser à rentrer. Les peuples en Afrique doivent se débarrasser de ces microbes que nous appelons gouvernement, dont le seul objectif est celui de garantir les transferts des ressources humaines et naturelles vers l'Occident, tout en suppressant maintenant la population de la pauvreté. Ce que le gouvernement occidental, ce que le gouvernement des États-Unis blancs fait aux Noirs, c'est ce que les gouvernements noirs font aux Noirs en Afrique. Ce que les gouvernements américains blancs, c'est que le gouvernement de Trump, de Barack Obama, de George Bush, tout ce que ces gouvernements ont fait au peuple noir des États-Unis, c'est exactement ce que les gouvernements africains font au peuple noir en Afrique. La seule différence, c'est que là-bas, ils sont blancs, là-bas, ils sont noirs. Mais nous avons eu Barack Obama. Nous avons eu Barack Obama. Tous les présidents africains, tous les systèmes, je l'ai dit, il y a ceux qui font la différence. Je vais ici mettre hors du bol les grands présidents du Ghana. Mais pour la plupart, nous avons affaire avec le même gouvernement et il fonctionne de la même manière que les gouvernements américains en rapport avec les peuples noirs. Répression, maintien de la pauvreté, brutalisation et tuerie. Qui tue les Noirs en Amérique, les forces de l'ordre? Qui tue les Noirs en Afrique, les forces de l'ordre? Qui tue les Africains en Amérique, c'est le gouvernement. Qui tue les Africains en Afrique, c'est le gouvernement. Et c'est la même chose. Les Noirs, les mélanodermes, pour se construire, doivent arracher et la seule manière de les faire, c'est rentrer en masse en Afrique. Mais de l'Afrique, les frères de l'Afrique doivent faire leur travail. C'est se débarrasser des gouvernements américains en Afrique. S'il faut se débarrasser des gouvernements coloniaux avec la peau noire en Afrique. Les gouvernements africains, pour la plupart d'entre eux, n'ont aucun autre objectif et service que celui de maintenir la pauvreté, assurer la répression des Noirs. Et transférer les ressources humaines et les ressources naturelles en Occident. Que la mort de George Floyd ne soit pas en vain. Que la mort de George Floyd, aille se soumettre à la mort de Malcolm X, à la mort de Dr. King Jr., à la mort de Marcus Garvey et de tant d'autres, y compris Frederick Douglass, pour qu'enfin nous ayons le courage de nous lever. À toi, mon frère George Floyd, ne pars pas. Reste à côté de nous. Toi qui es de l'autre côté, appelle les ancêtres qui sont là. Appelle les ancêtres pour qu'ils se lèvent et reviennent avec toi, comme avait promis Marcus Garvey. Comme nous avait promis Marcus Garvey, parce que Marcus Garvey nous avait promis qu'il reviendrait. Marcus Garvey nous avait promis qu'après sa mort, il n'allait pas partir. Mais plutôt, il allait ramener avec lui des millions des ancêtres il
allaient venir ensemble avec nos ancêtres partis. Ensemble, nous serons à Mésir. Et libérer notre peuple. Pour qu'ensemble, nous ayons la détermination le courage de pouvoir créer un monde, contribuer à créer un monde où nous serons respectés. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la violence. Et sûrement, je ne suis pas quelqu'un qui supporte la violence de tout genre. Je suis un homme de conscience et ce que je supporte, c'est la conscience. Je suis en train de parler de la maturation de la conscience. Qui veut qu'aujourd'hui nous réalisions que nous avons besoin de reconquérir notre dignité. Les États-Unis est aujourd'hui la terre que le pouvoir colonial dit que soit les leurs, bien qu'on les leur laisse. Qu'on leur laisse. Cette terre que nous rentrons en Afrique et nous reconstruisons selon les recommandations de Marcus Garvey une terre puissante. Que notre argent sert notre argent. Que notre argent supporte nos familles. Supporte notre peuple. Et que notre argent ne devienne pas les fonds d'investissement qui supportent et financent les mêmes systèmes d'oppression qui est en train de nous faire souffrir. C'est ainsi que la mort de notre frère George Floyd ne soit pas en vain. Je vous remercie. Auquel tu peux aspirer. Ton amour est mort, tu ne peux qu'espérer le raviver. À croire qu'on a stocké le reste de ton bon sens là où le raviver. Nègre et déique, si on l'emporte pour vous, méritez-le et comportez-le. Qu'une accolade, les vrais j'escalade. Le jour je rencontre était un jour banal. Mais toute la journée ça m'a rendu malade. Je peux m'imaginer sans elle, aucune balade. Serait-ce qu'une accolade, les vrais j'escalade. Bouleversé j'étais mais je pouvais pas laisser tomber. J'avais d'autres projets mais j'ai tout basculé. Le charme ton innocence m'a tellement bousculé. J'ai su tout sacrifier pour pouvoir te préserver. Ton potentiel ne peut qu'être convoité. La fonte saccagée, j'avais peur convoitée. Donc disparaître à force d'être abusé. Par la vérité des gens qui ne peuvent respecter. You are my African dream. Ta valeur est sous-estimée, sous-estimée, sous-estimée.
tous les hommes qui sont capables de reconnaître que d'aimer une femme et une seule et la chérir. Y'a pas mieux. One love. Je me suis battu, débattu, démarqué, débattu, vu, abattu. J'ai attendu, la main tendue, m'entends-tu, détendu, entendu. Autant dire, j'attendais que ça dure, c'est-à-dire que t'adhères. Je me suis battu, débattu, démarqué, débattu, vu, abattu. J'ai attendu, la main tendue, m'entends-tu, détendu, entendu. Autant dire, j'attendais que ça dure, c'est-à-dire que t'adhères.